Salut les potos! Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment je fais mes badlines pour mes leurres pour la pêche en pélagique, le matériel et 2-3 leurres que j'utilise. Allez, à tout de suite! Alors en fait, il faut pas beaucoup de matériel. Hein. Moi, pour ma part, j'utilise cette tresse de chez Fox. Voilà, en 65 livres, coloris camo. Ensuite, des hameçons taille numéro 2. Voilà, là j'ai des VMC. Ou alors des BKK. Alors voilà grosso modo ce que ça donne une fois monté. Voilà. Un petit striker de chez Target Bait. Voilà ce que ça donne. Alors pour faire mon badline, c'est simple, je prends 30-40 cm de tresse. J'utilise un ciseau HPA céramique parce qu'il n'y a aucun souci, vous voyez, même pour couper du 65 livres. C'est coupé en 2 secondes. Une fois que j'ai coupé ma tresse, je viens mettre bout à bout. Voilà, je mets les deux bouts comme ceci. Hop, et je l'attends bien. Ensuite, je prends mon hameçon et là, je le tiens par cette branche. Et il faut que l'œillet soit comme ça. Vous voyez? Il faut qu'il soit face à moi, bien à l'horizontale. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma tresse, je viens tenir la branche de mon hameçon avec ma tresse et je passe le bout de la tresse par le haut. Voilà. Je viens coincer mon petit bout de tresse ici. Je reprends la tresse de devant. Je viens coincer le morceau de tresse comme ça. Et là, je peux commencer mes spires. Alors, il n'y a pas besoin qu'elles soient bien serrées. Vous voyez? Et les éloigner. Voilà. Hop. Et là, tout à l'heure, je suis passé par le haut. Donc là, je repasse ma tresse par le bas. Je tire et voilà, mon badling est fait. Là, vous pouvez prendre le ciseau, tirer aussi fort que vous voulez, ça bougera plus jamais. Voilà, je prends tous mes poissons comme ça. Ensuite, je pique sur le leurre comme ça. Et aucun souci, je fais du brochet, du cendre, ça coupe pas, vous voyez, voilà. Et ça bouge pas. Voilà.